System ya kuzanguka. Eba mama salumbe chikotele ngumbandu ya bakulwe lukuba malulwenge salumbe chikerimbe mumbandu ya bakulwe lukuba malulwenge salu chikeri mumbandu ya bakulu. Ça veut dire tout simplement notre travail spirituel revient à l'époque de nos ancêtres spirituellement parlant. Mfumu na mfumu nganga na nganga nganga na nganga mfumu na mfumu ubawuna Wena meso. Ça c'est, mesdames et messieurs, chers Mpangi, chers frères, chères sœurs, nous sommes en plein dans la tradition Congo, Congo avec K, c'est qu'on appelle le Bukongo. Mm-hmm. Et aujourd'hui, je suis avec Mbutalu Kayazu, un Longi. Un Nganga Longi du Bukongo, c'est-à-dire de la tradition Congo. Mmh. Pas le Congo avec C qu'on connaît maintenant, mmh. mais le Congo avec K, le Congo. Mmh. Donc, il va nous parler de la spiritualité Congo. Mmh. Ce que la quintessence même de la spiritualité Congo. Mmh. Donc, Mbutalu Kayazu, aujourd'hui, nous sommes à l'école. Mmh. du Bukongo. Mm-hmm. Nous sommes venus te voir. Mm-hmm. Nous sommes venus à la source même. Comment ça se dit source en Kikongo? Source. Là où Kolo. Nkelo. Nkelo. Nkelo Twena. Nkelo Twena. Mm. Nkelo à la source pour boire l'eau pure. Mm. Pas l'eau du robinet mm. avec la rouille. Non, nous sommes allés à la, nous sommes mm. venus à la source. Donc, Mbutalu Kayazu, mm. je voudrais que vous nous parliez de la spiritualité Congo. Qu'est-ce que la spiritualité Congo? Il y a quoi dans le Bukongo? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Qu'est-ce qui a fait le Congo, l'empire du Congo, le Bukongo? On vous écoute. Ah, Mbuta. Ah, Mbuta Mikazi. Ah, avec un tango, moi, tu bagayes. Il faut que tu bagayes un tango. Ah, est-ce qu'on aura le temps? Il faut que tu bagayes un tango. Mais, tu bagayes un tango. Tu bagayes un tango. Tu Voilà. La spiritualité Congo, qu'on appelle Bukongo, elle est vaste. Très vaste. Vous savez, c'est l'héritage des Congo depuis Ngipiti. Parce que tant l'Égypte. Tant qu'on ne peut pas situer déjà les choses dans ce lieu-là, géographiquement parlant, historiquement parlant, on ne peut pas comprendre. Parce qu'il y a des similitudes entre le Bukongo et ce qui se faisait en Égypte. Simplement. Là, on parle de l'Égypte. De l'Égypte pharaonique. Et de Mamamani, à l'époque de Mamamani Sankento. Ah, ça encore, c'est une femme qu'il faut connaître. Mamamani Sankento. Dans le royaume de Karma. Royaume de Karma. Oui, c'était une femme guerrière qui a terrassé les Romains. Waouh. Ok, une femme. Mani Sankento, hein. Mani Sankento. Vous voyez? Ok. Nkento, vous connaissez la femme? La femme, Nkento, c'est la femme, ok. D'accord. Les Congo, spirituellement parlant, quand ils étaient en Égypte, on ne les appelait pas des Congo, je disais. Mm-hmm. Mais les Congo, ceux qui ont créé le royaume Congo parmi leurs descendants, plutôt leurs ancêtres, mm-hmm. faisaient partie des castres, des grands prêtres en Égypte. D'accord. Et quand ils sont sortis, ils ont reproduit la même chose. D'où les écoles d'initiation qui existaient dans le royaume Congo. Et ces écoles-là, c'est les piliers du Bukongo. Bukongo qui est la grande spiritualité de Bakongo, qui est le peuple Congo, parfois qu'on appelle les Bisi-Congo. Donc, le Bukongo, c'est la spiritualité, voilà. Tout ce qui est culture. Culture, non, spirituelle. Spirituelle. Parce que culture, c'est Kikulu. Kikulu. Non, sociologie. Sociologie, c'est Kikulu. Kikulu. Bukongo, c'est spiritualité. Des Bakongo. Des Bakongo, le peuple Congo avec K. Avec K, Bakongo. Voilà. Très bien.
Parce que avant que l'on crée le royaume, les Congos, le peuple Congo marchait guidé par des prophètes de façon physique, mais de façon spirituelle par Mwanda Congo, qui est l'archange. Mwanda Congo. Mwanda Congo. Ah, donc c'est pas une personne physique. Non, c'est un archange. C'est un archange. Voilà, parce que lorsqu'il y a eu le déclin, avant le déclin plutôt de Ngipiti, de l'Égypte. Donc, nous qu'on appelle dans le Kikongo plutôt, dans le Bukongo, l'ère de Mvumbi Mbulumbulu. L'ère de Mvumbi Mbulumbulu. Voilà. Mbulumbulu qui peut être traduit comme envahisseur. Non. Mbulumbulu. Ouais, Mbulumbulu, c'est comme nous, parfois on a dit Mbulumbulu, parfois dans le Kikongo, on te parlera d'un soldat. Un soldat, d'un méchant. Baba Mbulumbulu. Voilà, ouais, Mvumbi, c'est. Mvumbi, c'est. Cadavre. Cadavre. Voilà. D'accord. Donc, on va dire période de trouble. De trouble, voilà. Et nous, avant que même que le déclin là arrive, le déclin de l'Égypte, avant que les envahisseurs puissent envahir l'Égypte, déjà, Nzambi à Congo, Nzambi Mpungutulelo, le créateur, nous avait déjà prévenu, nous avait demandé, il avait confié la mission à Mwanda Congo. D'accord. Va, prends ce peuple-là, fais-le sortir de l'Égypte. Mais comme étant donné que... Une petite parenthèse. Ça, cette histoire-là, ça sonne un peu comme en écho, en ricochet avec... parce que quand tu dis « va sortir ce peuple-là », il y a un peuple quelque part qui le a été le peuple d'Israël. Ah ben... Mais ça n'a jamais existé. Ah ben oui, parce que moi, tout de suite, j'ai... Mais non, ça n'a jamais existé, mon frère. Mbuta. Mbuta. Attention, Mbuta, de ce que vous avancez. Mais Mbuta. Mais nous, à moins que qu'on soit vraiment... Bon, je comprends. Vous savez, la Bible, par exemple, rapidement, la Bible, ce qui fait la force de la Bible et qui pousse les gens à être aveugles, ce sont les postulats. Les postulats, ce sont en fait des principes que tu ne peux pas modifier. C'est comme en mathématiques, 2 plus 2, ça donne que 4. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et donc, ces postulats-là, la Bible, c'est quoi? La Bible, c'est un élément. Pour le construire, on avait besoin de la vérité, de l'imagination. Tu vois? Pourquoi? Qu'est-ce que la vérité? Ils ont pris l'histoire de l'Égypte, ils ont pris d'autres légendes, ils ont mis à l'intérieur et ils ont créé un personnage principal. Par exemple, Jésus, ça c'est une fabrication que nous connaissons tous. Je l'ai toujours entendu comme ça. Mais bien sûr, c'est né au concile de Sinaï. C'est là-bas que tout a été décidé, c'est là-bas qu'ils ont fabriqué Jésus. Ça aussi, vous êtes en train de bouleverser pas mal de convictions. Mais ça, on en parlera, c'est une bonne histoire, j'adore. Attention, Bien sûr. En tout cas, cher Mpangi, chers frères, chères sœurs, c'est la parole de Tata Lukaya Zou. C'est qu'il avance. Si vous n'êtes pas d'accord, écrivez-nous dans les commentaires. Donnez vos éléments. On est dans la démocratie, en liberté. Donc, pas d'insultes. Mais lui, il a dit, et apporter la controverse avec les mots, avec les arguments. Donc, voilà. On continue avec l'histoire de Congo. Et donc, finalement, Mwanda Congo va désigner parmi les gens qui étaient dans ce mouvement-là, une femme qu'on appelle Mama Kamampangala, Nkwama Benivoa. Une femme qui avait 9 seins. C'était une femme physique ou alors... Non, physique. D'accord. Là, on est dans le mystère. Après, on va me demander, mais où est la preuve? La preuve, bon, ouais. Ah ben oui, je m'attends à cette question. Ben oui, forcément, il y en a qui vont dire, bien sûr. Voici encore un charlatan. Voici encore un antéchrist. Un illuminé égaré. Dites ce que vous voulez, moi ça m'intéresse. Vous savez, le Congo, c'est la paix sur le débat. On a toujours adoré le débat. Très bien. C'est ce qui nous caractérise même. C'est pas une erreur. Nos ancêtres n'écrivaient pas. Parce qu'on pense que la parole faisait partie du cheminement de l'initiation, de la voie initiatique. Donc, l'on pouvait la transmettre oralement. Mais il y a eu des témoins, des gens qui ont eu la chance de s'approcher des vrais témoins. Par exemple, le dictionnaire que j'ai là, tu peux m'aider, Mbuta. C'est le dictionnaire de Kikongo que vous voyez, premier volume. Voilà. Dictionnaire de Kikongo. Kikongo,
français. Ouais, français volume, qui Congo. Volume 1. Volume 2. C'est en deux volumes. Waouh. Voilà. Ça fait plus de 1000 pages. 1200 pages. 1250 pages. 1200. Qui Congo français. Qui Congo français. Le vrai qui Congo. Académique. Académique. Hein. D'accord. Voilà. Ok. Qui l'a écrit, c'est Lamane. K.E. Lamane. Voilà. Un missionnaire. Au Congo depuis 1891. Voilà qu'il était là. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Pourquoi lui, il écrit ça? Mais parce que lui n'a pas écrit ça, il imaginait des mots. Donc, il est allé il était avec les Congos. Et il demandait, par exemple, ça, comment ça s'appelle? On disait, lui, il écrivait, tout. Mm-hmm. Notre histoire à cette époque-là, de ce que je rencontre, la cosmogonie Congo, n'a pas été cochée quelque part. Par contre, ça a été transmis de bouche à l'oreille, comme les contes que je raconte, moi. Mm-hmm. Et donc, il y a eu des gens qui ont coché ça, tels que le Mwanda Sémi. Tu vois, d'accord. Je connais pas mal des auteurs qui ont coché ça. Ouais. Et donc, d'accord, c'est arrivé jusqu'à nous. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent que l'histoire là, elle est fausse, bah, qu'ils nous prouvent le contraire de ce que nous disons. Mm-hmm. Tout à fait, tout simplement. Voilà. Et donc, ils ont commencé à marcher. Jusque-là, on ne parle pas de roi. Après, il y a eu les prophètes tels que Sassoulouan Kanda, les Kodimpuanga, les Tutsi Datsiya. Ils sont rentrés en scène. Là, on parle des prophètes. Des prophètes. Voilà. D'accord. Pas de roi. Non. Parce qu'en fait, pour comprendre le Bukongo ou pour comprendre le Kikulukia Congo, la culture Congo ou la sociologie Congo, il faut déjà comprendre ce que c'est la spiritualité Congo. C'est la base. C'est la base. Ça ne se sépare pas. Mm-hmm. La spiritualité Congo. Oui, ça ne se sépare pas. D'accord. Il y a beaucoup de choses, par exemple, quand on fait le Makunku. Mm-hmm. Makunku, c'est ce geste-là. Ce geste-là, vous pouvez le trouver, moi j'appelle ça un geste qui a deux bras. Il y a un bras spirituel, il y a un bras sociologique. D'accord. Par exemple, quand il y a des cérémonies du mariage, on le fait ce geste-là avant de prendre la parole. Ouais. Mais nous aussi, quand nous pratiquons notre spiritualité, avant, par exemple, de parler ou de bingula, de prier, on fait le même geste. D'accord. C'est la règle de trois. D'accord. On le fait trois parce que chez les Congos, dans notre spiritualité, il y a une règle qui est en permanence, c'est la règle de trois. La règle de trois des qu'on connaît en mathématiques ou... Mais quand on parle de Makuku Matatu Malamba Congo, on dit Makuku Matatu, Tatu c'est trois. Ça, on n'a pas attendu le blanc pour le savoir. Enfin, justement, c'est ce que je suis en train d'entendre derrière la règle de trois Makuku Matatu. Et si l'on parle de Ngipiti, d'Égypte, voilà, où sont nés les mathématiques. Coup des royales est né en Égypte, on le sait. Ah ouais. Vous voyez que tout s'imbrique. Bien sûr. Tout s'explique. Parce que Makuku Matatu, règle de trois, c'est vrai qu'on n'appelait pas règle de trois. Chez nous, c'est Makuku Matatu. Makuku Matatu. Voilà. 3-3. 3-3. Mm-hmm. 6 provinces, quand on les divise. Ça fait 3-3. D'accord. Ok, d'accord. Ok, donc on évolue, voilà, spiritualité, il y a des écoles. Et donc à partir de là, ils ont commencé à créer des écoles. Mais pourquoi ils créent des écoles? Parce qu'à un moment donné, les prophètes ne sont plus. Donc, maintenant, il y a un roi qui doit naître. Il y a un roi qui est là. Donc, d'accord, on va aller un peu vite pour... Oui. Voilà. D'accord. Ce roi-là, il voulait gouverner seul. Il voulait un peu mettre de côté les histoires de spiritualité, tout. Donc, il arrive sur une terre à Mpangala. Là, on a construit le royaume, la montagne, là. C'est Mpangala, Ntotemia Mpangala. Là, c'est le Mpangala qui se trouve au côté Congo, Mfwa, où on est... Non, l'Angola. Parce qu'il y a aussi un Mpangala, oui, je crois. Mais c'est toujours pareil. En fait, lorsque les gens, ils ont quitté, par exemple, le royaume Congo, s'ils habitaient le territoire de Mpangala, ils reproduisaient la même chose Mpangala, là-bas. Oui, parce qu'il y a un Mpangala. Voilà, exactement. Il y a un Mpangala. Mpangala, voilà. D'accord. C'est comme tu as les Sundi de l'autre côté, les Sundi de l'autre, voilà. D'accord. Parce que nous, en fait, on est très fidèles à notre culture. À notre culture, ouais. Et donc, Nzingaku, vous ne voulez pas entendre parler de spiritualité. Non. On lui dit, mais Mfumo, là, on est en train d'occuper les terres, là. Il y a un type qui est là, il est sacré. Tu dois négocier avec lui. Quoi? Moi, je suis roi. Parce qu'ils n'ont pas le droit de vraiment construire. Hein. Moi, je ne peux pas. Ouais. On dit non, il faut aller. Non, pas de question. Il a refusé. Là, c'est Nzingankouf. Il a commencé à régner, il a commencé. Et puis un matin, il est tombé. Évanoui. Wow. Il va tomber sur des bêtises, tabou kiringam.
Il y a des gens qui ont eu des révélations, mais il faut qu'il aille voir Nzako. Le vieux là qui est là-bas. Il est allé voir Nzako. Il dira vraiment, on est allé le chercher. Il a fait le rituel, le mec s'est réveillé. C'est là qu'ils vont décider à partir de maintenant. Il faut y avoir deux rois. L'autre pour la spiritualité, l'autre pour les choses civiles, l'administration. Ah, donc c'était ça la décision qu'il y a. Ah oui. Deux rois. Ah oui. Un roi qui garantit la spiritualité. Et un autre pour la gestion pour la politique. De la politique. Voilà. D'accord. Et à partir de là, ils ont créé des écoles. Mm-hmm. Donc, on avait des écoles, mais il y avait des écoles très connues. Des écoles d'initiation. D'initiation. Okay. Dans tous les domaines, sociologiques, spirituels. D'accord. Comme à Ngipiti en Égypte. Il y avait des temples, nous connaissons les écoles des mystères. Bien sûr. Nous aussi, on a voulu faire pareil. Là où les Grecs, les Pythagores, ils sont allés apprendre. Mais même les Occidentaux, c'est ça. D'accord. Donc, on a reproduit le même modèle. Voilà. Que celui. Peut-être pas dans les mêmes images, mais dans le même esprit. Donc, on avait par exemple l'école des administrateurs où on formait les Nzonzi, les avocats, les administrateurs, c'était le Lemba. L'école de Lemba. Voilà, c'était une station civile. D'accord. Mais étant donné qu'on est dans, nous sommes dans le Bukulwa Congo, donc quelque part la spiritualité doit être là, parce qu'on ne peut pas gouverner la terre les yeux fermés. Les yeux fermés. Ouba Unawe na meso. Donc pour être chef. Non, Ouba Unawe na meso. Ouba Unawe na meso. Ah, là, ça se compte. Ça dit que c'est lui qu'on trompe ou qu'on. C'est lui qui a des yeux. C'est sérieux, le contraire, non? Gani, Ganayon Boy, Ouba Unawe na meso. D'accord. Ok, très bien. Très bien, Ouba Unawe na meso. On évolue. Très bien. Pourquoi on dit Ouba Unawe na meso? Pourquoi justement Et pourtant, on pourrait dire Ouba Unawe. Ouba Lomolo meso, Ouba Kondo meso. Gani, Wakondo meso. Gani, Ouba Unawe na meso. D'accord. Mais nous. Les Africains d'aujourd'hui, on a des yeux, non? Oui. On a l'Internet, non? On en a, très bien. Mais on continue malgré à être sur... Malgré ça, on est toujours... Voilà. C'est expliqué. Le proverbe vient d'être... Donc, ça veut dire, c'est pas parce que t'as les yeux là, que... justement, c'est toi qu'on va mentir. Ouais. Parce qu'un aveugle qui ne voit pas, si tu lui dis que tu as vu rouge, il dirait que je ne vois rien. Ouais. Ah oui, ça s'explique. Ouais, justement. Voilà. On continue. Et donc, c'est pour cela... Parce qu'on sait que quand tu vas gouverner une terre, tu auras des batailles, tu auras des conflits, il faut te protéger. Mm-hmm. Donc par là, dans le Lemba, ils abordaient un peu le côté de mysticisme. Mais ils n'allaient pas en profondeur. Parlons de ça, du mysticisme là. Je vais arriver, papa. Voilà. Après, on en a une autre école, le Kimpasi. Kimpasi. Là-bas, on apprenait l'ésotérisme à haut niveau. D'accord. Là-bas, c'est là où Mama Kimpanvita a été initiée. Ah, donc Mama Kimpanvita vient de l'école de Kimpasi. On prétend même dire, mais il faut vérifier, Tata Kimbangu. Kimbangu aussi, parce que lui aussi, il était très mystérieux. Mais parce que pourquoi je crois, quand on me l'a dit, je dis, Tata Kimbangu, il avait le pouvoir de l'invisibilité. Qu'on appelle en Kikongo Mpini. Binjal Mukabe Banad, il est parti. Donc il disparaît. Il disparaît. Par exemple, face à un danger. Bien sûr. Même si aujourd'hui, ça existe. Ouais, ça, j'en ai entendu parler. Non, ça existe. Dis-moi. C'est parce que le christianisme a tellement. C'est tellement racine dans le cerveau des Congolais à tel point qu'ils voient tout ça, c'est diabolique. Mais ça existe. Donc dans le royaume. Dans le Congo. Dans le royaume Congo. En tout cas, dans ces écoles de Kimpasi. On enseignait ou on formait, on initiait les gens à ces pouvoirs-là d'invisibilité, appelé Pini, voilà. De Njelomuka, de à la résurrection. Tata Lukayazu, doucement là. Muta Lukaya, doucement à là. À la résurrection. Fui du Lufola Kimpasi. Fui du Lufola Kimpasi. C'est-à-dire ça, c'est... Enten, tenda zianga, ezianga, zianga, bunjika, ebunjika, bunjika ngo, engo, ngo mfinda, mfinda, mfinda nchi, enchi, nchi kwenda, ekwenda, kwenda, bidi, bidi, tlungidu kweto, ntsumbu, 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 fwa Kimpasi, efwa, fwa, kalalala. Fwiri lufwa la Kimpasi, quand on faisait les exercices d'initiation, c'est-à-dire de résurrection,
si tu n'étais pas bien préparé, de façon mystique, et que tu prenais ça à la légère, tu tombais, tu ne te réveillais plus. Tu mourais. Tu mourais pendant l'instant. C'est ce qu'on appelle le feu de loup. Voilà qui me passe. Et moi, donc, parmi les initiations que j'ai eues, j'ai vu, j'ai participé à ces rituels-là. D'accord. Parce que, c'est-à-dire que j'étais consacré deux fois. Une fois ici à Paris, par Mutama Sengombemba, et en 99, par Tata Tembo, à Mfoua. Nous, quand on faisait les rituels de délivrance, Là, on est dans le Kingunza. Mais le Kingunza, au fait, c'est la nouvelle version du Bukongo. Mais sauf qu'à l'intérieur, on introduit le christianisme parfois. Oui, parce que ça prête un peu à confusion cette affaire. Je vais expliquer affaire, à ce niveau-là. Il faut vraiment expliquer. Vraiment, j'espère qu'on aurait le temps. Ouais, il faut le parce dire. Parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Ah oui. Et donc, ce rituel, moi, je l'ai participé. Donc, quand nous, on faisait ce rituel-là, par exemple, on vous dit attention. Et donc, le Ngudinganga, c'est-à-dire que le maître initiateur savait qu'un tel n'est pas prêt, un tel n'est pas prêt, ne vous approchez pas. Et, et pendant qu'on est en train de le faire, par exemple, si on peut dire que, bon, écoutez, Mutami Kanzi, je crois que son esprit est bloqué, par exemple, au Congo. Et nous, on est ici. Donc, le rituel démarre. Donc, mystiquement, quelqu'un tombe. Boum. Donc, il rentre d'abord en transe, la personne rentre en transe, après la personne tombe, pas à se faire mal. Transe qu'on appelle MPV. 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 MPV, mais d'une autre dimension. D'une autre dimension, ouais. Et la personne reste dans un silence. Et là, le Nguringanga, le maître initiateur, vous dit, attention, priez fort. On continue à prier. Et l'autre est parti. Donc, si toi qu'on envoie là-bas, tu n'es pas préparé, mon gars, tu restes là-bas. Tu restes là-bas. Ton esprit reste là-bas et nous, on n'a aucun cadavre. On n'a que le corps. Waouh. Donc, dans le Kimpassi, ils apprenaient ça. D'accord. D'où l'initiation pouvait durer 3 ans. Ah oui, ce n'est pas l'initiation d'aujourd'hui. Tu arrives un matin chez les Ngunza, on te dit de faire la tenue, on t'apprend les chansons, même la langue du Congo, tu ne connais pas. Le lendemain, tu es initié, mais ça, c'est n'importe quoi. Ça, on te fait, en fait, là, tu es en train d'être initié à la codification de Kingunza. Mais pas... Non, parce que le Bukongo de nos ancêtres, ce n'est pas le Bukongo d'aujourd'hui. Waouh, donc là, c'est l'école Kimpassi. Kimpassi qui vient du mot Mpassi. Souffrance. Ah oui, parce que c'est une souffrance qui peut te... Ah oui, t'emmener jusqu'à... Et pour dire, c'est l'une des écoles que le blanc n'a pas pu détruire. Ah, le Kimpassi n'a pas été... Non. D'accord. Ah non. Il a détruit... Le Lemba, il a détruit. Oui. Le Kikimba, il a détruit. Oui. Mais le Kimpassi n'a pas pu. C'était trop compliqué. Peut-être qu'il a pu détruire quelques élèves ou alors des gens qui sortaient de cette école. Non, les gens qui les attrapaient. Mama Kimpa Vita, par exemple. Je ne sais pas si on l'a attrapé ou elle s'est livrée. Non, elle s'est livrée. Ce sont ses paroles qui sont... Tata Kimbangu. D'accord. Mais... Tu sais pourquoi Mbuta n'arrive pas à détruire Kimpassi? Parce que le Kimpassi fonctionnait de la même manière qu'on voit la franc-maçonnerie aujourd'hui. Ils avaient leur code, ils avaient leur langage et il y avait un serment. Unakwa utata. C'est-à-dire, lorsque tu étais initié dans le Kimpassi, on te dira à la fin, même si tu quittes le Kimpassi, attention, tu gardes le secret. Ne dévoile jamais, et tu vas mourir. Ce qui faisait que... les gens, ils avaient peur. D'accord. Voilà pourquoi les Kimpassi, les adeptes de Kimpassi, par exemple, la dernière initiée de Kimpassi qui a existé, dont j'ai la connaissance, c'est Mama Sakabert. Oui. D'accord. Qui n'est plus de ce monde. Non, elle n'est plus de ce monde. D'accord. Elle était donc, dans les années 80, elle existait. Ok. Mais le Lemba, c'était facile à détruire. Ouais. Parce que c'était des administrateurs, des gens pas puissants, pouvaient les attraper. Et les gens de Lemba, la majorité, sont devenus chrétiens. D'accord. Et le Kingunza d'aujourd'hui, qu'on mélange avec le christianisme, c'est les gens de Lemba. D'accord, ok. Maintenant, on avait une autre école, le Kikimba. D'accord. Là-bas, c'était une école où on formait des gens pour des arts martiaux.
si tu veux des combats. Par exemple, reprenez, oui, comprenez par exemple la danse, la capoeira. La danse, la capoeira, c'est le mouvement d'entraînement des combattants, des guerriers Congo. Ah, ça, c'est encore une petite bombe que vous lâchez, là, la Gane, capoeira. C'est une réalité. C'est une réalité. D'accord. Donc, c'est, la capoeira que nous connaissons actuellement comme art martial brésilien, en tout cas, vient du Royaume Congo. Du Royaume Congo. De l'école Kikimba. Kimba ou Kikimba. D'accord. Ah, le qui précède toujours parce que c'est une science. Science, qui. D'accord. Et une petite parenthèse. Le mot Kilomo. Oui. Est-ce qu'on peut considérer comme faisant partie d'une des écoles du Royaume Non, du Kilombo. Parce qu'il y a des Kilombo, qu'on trouve les Kilombo maintenant chez nous. Et il y en a aussi au Brésil. Hein, chez nous, Kilombo, dans le Royaume Congo, ce n'est pas une école. C'est pas une école. C'est comme une chorale. Ah, d'accord. C'est pour les Oui, les, mais étant donné que les chants spirituels, je comprends que nos frères qui sont partis là-bas considèrent ça comme étant une école. Ah, d'accord. Oui, donc il faut dire que c'est les chants qui peut-être qui accompagnent. Voilà, qui accompagnent la spiritualité. Voilà. Parce que chez nous, les Kilombo, c'est des chorales. C'est des chorales. Chants. Et de l'autre côté, il y a des esclaves qui sont allés, qui ont formé Exactement. Des groupes de contestation, de lutte. Bien sûr. Qu'on appelait des Kilombo. Des Kilombo. Ah, d'accord. System ya kuzanguka.